J'en reviens toujours pas à quel point ma vie est devenue chelou. Déjà quand j'étais un ado boutonneux, je trouvais les autres de moi relou. Ce sentiment me colle bien à la peau, le sentiment au fond de n'être que faux, d'appartenir ou simplement de venir d'un autre temps, voire même un autre monde. Je me sens comme un ermite pas net, un peu bizarre, tu sais, sorti de nulle part, qui aurait traversé 17 siècles, tantôt à l'ouest, mais hier j'étais à l'est. Genre quand je ferme les yeux un instant, et la bordel de coup je déconnecte, je flotte, je traverse l'espace et le temps. Mon subconscient est une machine complexe, non-stop H24, ça tourne à plein temps, 7 jours sur 7 et à plein régime. J'ai visité l'infiniment en grand, et ça depuis que je suis tout petit. C'est amusant, tu sais, beaucoup de gens ignoraient avant que ce cher Tony ne leur explique dans Iron Man The Movie qu'à une échelle microscopique, le temps s'écoulait différemment. Ensuite vient le nanoscopique, là il disparaît complètement, la gravité n'existe plus, même la matière n'a plus de masse. Délire ou pas, moi je m'en tape, ça me permet de voyager là où personne n'ira jamais. Au fond, tu sais, c'est plutôt cool, j'étais encore sur la lune, j'adore vraiment aller là-haut, je pourrais y rester des heures et contempler la rotation d'une autre sphère à l'horizon. Vu d'ici, elle est gigantesque, je m'y sens comme à la maison. Elle est énorme, si vous saviez, elle recouvre entièrement le ciel, pas du tout comme à la télé, où tous ceux qui y sont allés prétendent qu'on pouvait la cacher en levant la main vers le ciel. Après, si je vous racontais ce qui s'y passe de l'autre côté, vous me prendriez pour un deck, c'est sûr, je serais enfermé. Ça n'a plus aucune importance, le compte à rebours est terminé. Ça y est, j'ouvre doucement les yeux, je m'apprête à changer de lieu. Je me réveille, j'ai pas bougé de mon putain de canapé.